Bonjour, donc je suis très content de recevoir Anne des éditions Chandaigne. Donc la librairie est sous le signe de l'imaginaire et du réenchantement du monde avec notre exposition sur la fabuloserie. Donc nous avons beaucoup d'auteurs qui sont dans ce domaine et Anne nous a fait découvrir, m'a fait découvrir en tout cas, un auteur extraordinaire qui s'appelle Mia Couto, qui est un auteur du Mozambique. Et son dernier livre, Le chasseur d'éléphants invisibles, est un recueil de nouvelles que j'ai trouvé vraiment formidable et qui nous fait découvrir, sous une fausse apparence de naïveté, la profondeur humaine de Mia Couto. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois lucide sur la violence du monde, sur les luttes, sur les conflits, et en même temps qui porte un regard qui est profondément humain.